Et salut YouTube, c'est The Last of Us pour la 150e partie. Donc, si j'ai bien tenu les comptes, on est à la 11e. Et on va aller voir ce qui se passe du côté d'Ellie. Pour le moment, on joue avec Joël blessé. C'est ce que exactement ce que dit sa fille au tout début. Mais où est-ce que t'es passé? Bon, c'est du coup c'est pas exactement. Mais bon, c'est presque exactement. Oula, gueule pas si fort. Où est-ce qu'elle est passée? On peut pas rentrer dans ces maisons. Mais les autres mecs sont même pas venus le chercher. Oh, c'est ce qu'elle est, oui. Très loin. Mais comment ça? Putain, je le voyais même pas avec son sweat bleu. Où est-ce qu'elle est? Réponds. Il essaie de nous tuer. Bah remarque. Légitime défense. Nous, je voulais être gentil à la base. Ah mais je peux me soigner. Ah ouais, il est plus loin. J'avais pas vu ça comme ça. Il est pas mort! Oh! Ou alors, tu montes ta gueule? Allez! Oula! Ils sont chiants. Comment ça? Bon là, d'accord, je suis pas dedans. N'importe quoi. Vous êtes foutus. Mais tu as sérieusement acheté les planqués là? Eh? Oh merde. C'est relou là. Faut bouger. Yes. Yes. Poursuivons. Fonctionne, connard. Allez, achète-le. Tiens bien. Oh, merde.
deux contre un mec blessé, ils sont incapables de. De gagner. Attends-moi là. En gros. La torture. Bon. La torture n'est pas une solution. La fille. Elle est vivante. Quelle fille? Je sais pas de quoi tu parles. S'il te plaît, fais un effort. Sinon, je t'arrache ton putain de genou. La fille. Elle est vivante. C'est la protégée de David. Où ça? Dans la ville. Dans la ville. Écoute, tu vois. Ah, c'est un doukdouk. Et ça a intérêt à correspondre exactement à ce que tu regardes. Ah non, c'est pas un doukdouk. Vas-y. C'est juste là. Tu peux vérifier. Demande-lui. J'ai l'impression, vu la forme. Demande-lui, vas-y. Il te le dira. Je te mens pas. Je te mens pas. Va te faire foutre. Il t'a dit ce que tu voulais savoir. Je te dirai que dalle. C'est pas grave. Moi, je crois. Non, attends, attends. Debout là-dedans. Allez. Lâchez-moi. Ça. Non, arrêtez. Je t'avais prévenu. Je suis infecté. Je suis infecté. Vraiment. Et vous aussi. Allez-y. Claudio, enlevez la caméra. Ma manche. Regardez. Je vais jouer le jeu. Qu'est-ce que vous disiez? Tout arrive pour une bonne raison, c'est ça? C'est quoi cette merde? Elle se serait transformée. C'est impossible. Ça m'a l'air vachement possible à moi. Attends, heureusement que c'est pas visé. Là, une bonne partie. Merde. Qu'est-ce qui tombe par rouge, ces gens? Où est-ce que tu vas, Ellie? Ma vie ici. D'accord. On va dire qu'il m'a pas vu. On va dire qu'à la cause du bizarre, il m'a pas vu. Merde, c'est fermé. En effet. Il me faut une arme. Referme. Non mais referme jamais les. Allez. Je peux le faire. Du soin, c'est pas mal. Tiens, ça les empêchera de passer pendant deux secondes. Il y a un truc là, non? Ah non, c'est le rond qui reste pendant 3 heures. Yes. Ok. Donc là, je suis obligé de la jouer discret vu que j'ai pas d'arme à feu. Donc. La fille, elle est infectée. Pas là. C'est pas vrai. Il m'a pas vu. Il y a pas un petit peu qui arrive là? Sale lâche. Ils sont armés, j'ai pas d'armes. Et... ils ont 150 contre moi et c'est moi le lâche.
Ah, c'est elle la lâche. Il reste du soin. Il reste rien. Mais, oui, il y a une autre. Un autre ennemi ici. Mais comment ça, il y a quelqu'un qui m'a vu là? Je le déteste. Oh putain. Mais putain, mais les mecs ils me voient à travers le mur. Des fois ils me voient pas alors que je suis juste à côté. Tout va bien. Ça ne peut. Mais c'est vrai, faut que j'utilise la bouteille. Ok. Ok. Tout se passe bien. Dans les villes, dans les campagnes, sur les réseaux sociaux. Alors là, où est-ce que je suis planté? Là, il m'a pas vu. Let's go. Je vois plus personne. Ah mais si, il y a rien là. Y a-t-il? Y a rien à récupérer là? Vraiment? J'ai cru qu'il allait se retourner. Ah enfin. En fait j'en avais déjà. On se croirait dans un labyrinthe. Je devienne fou. Juste que ça peut devenir un problème. On a déjà un problème sur les bras et on va le régler. Allez, on se concentre.
Moi, je crois que je l'ai tué. Il est où l'autre? Il m'a pas vu là. Mais comment ça? Mais. Il m'a vu d'où lui? Oh, mais je le déteste. Je suis pas d'accord là, il m'a pas vu normalement. Mais. Là, il y a un mec là. Ok. Salut? Et là, il me voit pas. Ok. Je vais où? Plus loin. Ils sont où? Dans les villes, dans les campagnes. Que ça sent pas l'arène de boss. Allez. Qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi Hercule? What? Ça a lancé la cinématique, mais ça me l'a pas mise pour moi. Et ben, je sais que t'es pas infecté. Un infecté ne se battrait pas à ce point-là pour. Vous aurez pas la en cinématique. Vie. En gros, on essaie de sortir, l'autre il nous attrape, on fout le feu. Alors, que choisis-tu, Ellie? Je dois reconnaître. Te voilà. Mais ouais. Et il nous pique notre flingue. Ah non. C'est quoi le délire? Vu que la cinématique a bug, j'ai toujours mon flingue. Et est-ce que je peux le tuer plus vite? Voilà. C'est intéressant ça. Prophète Ellie, une navrée pour ton cheval. Sincèrement, elle peut te consoler. On fera un bon usage de son cadavre. Je regrette vraiment que tu aies tué Jeff. C'est quelqu'un de bien. C'est te voilà. Alors, est-ce qu'il perd de la vie? Il a pas l'air. Hein. Il a l'air d'en avoir rien à foutre. Ok. Ça vaut pour tous ceux que t'as tués. Ça ne fera que renforcer notre groupe. On aura moins de bouche à nous. Comment il fait pour la louper là? Bien tenté, petite. Tout va bien se passer.
t'énerve pas. Tu me surprends sans cesse. Et que vous voulez secourir une fois après? Dommage. What? Oh là, c'est mauvais bail. Vraiment. Mais putain, les images qui aveuglent. J'ai entendu. Très bien. Je t'aurais laissé une chance de t'en sortir. Salut. Cours, petit lapin, cours. Bah oui. Voilà, c'est bien. Alors il est où maintenant? Hein? Je me suis éloigné à ce point là. Et j'ai plus de trucs achetés. Et là. Bon alors. Là, je reviens pas que j'ai toujours mon flingue. Vraiment. Ah, c'est pas comme si le jeu avait eu une sortie, un remaster. Et ça, c'était juste le remaster. Mais genre, mais juste quand j'arrive quoi. Il va rester là-bas, sérieusement? Faut se brouiller parce que ça commence à prendre feu là. Ah. Et là en toussant il m'entend pas. Il me voit. Oh mais sérieusement? Il est là. Bon Robert... Mais il est tellement bugué. Il est tellement bugué. Okay. Bon, moi j'aurais fait une cinématique. Ah bah non. Mec, elle était un peu courte comme cinématique du coup. Se pointe, faudra pas la rater.
si elle se pointe. La gamine est dangereuse. Et on sait pas où elle va réapparaître la prochaine fois. Alors on doit faire super gaffe. Non mais j'avais peur que l'autre me voie là. Et putain. Ça. Moi qui voulais je joue en finesse là, il me laisse même pas. J'ai l'impression que le jeu est beaucoup plus bugué que. Que sur PS3 que l'original. Ce qui est plutôt incroyable. C'est la première fois que je vois qu'il y a des trucs ici. Non, il n'y a rien. Oh yes! Ah tiens, je viens de finir la mienne. Je viens de finir ma hache. Un tissu en bourrée. C'est quoi ça? Fumigène amélioré, ouais, bon ça va. Attends, je peux l'améliorer encore ça? Non. Qu'est-ce que si je fais? Voyons voir. Ouais, ça va pas changer grand chose. Ouais. Alors que c'est juste du sucre. Il me semble, si j'ai pas de conneries. Mais c'est du sucre en expansion. Bref. Non, mais le sucre, c'est des cristaux, ça retombe vite. Let's go. Les autres, il y en a derrière, je crois. Là déjà moi je vois pas grand chose alors eux. Je vois rien. Je peux en récupérer qu'une. Lui, referme les portes au moins, c'est avant elle. Sac des lits. Y'a rien à lire. Comment ça se fait que les affaires des lits sont là? Lire.
224 kilos, 551, 2332, belle prise. Non mais c'est en humain, c'est le poids en humain. Et sérieusement? Non, c'est Fakir. Il faut que je la trouve. C'est un rituel. Il faut que je la trouve. Ouais, ce serait bien. Ah oui, ils utilisent pas les crochets quand même. Enfin, je pense que ça aurait été un peu trop gore pour le public. Ils ont quand même détruit un village à eux deux. Ça c'est une magnifique phase de jeu. Magnifique phase de gameplay. Je savais que t'avais du cœur. C'est pas grave d'abandonner. Y a pas de honte à ça. C'est moi, regarde. C'est moi. Il a essayé. Ça va. À cause d'un pédophile, 150 personnes sont mortes. C'est une bonne sentence pour un pédophile. Ellie, tu m'as entendu? Non. Quoi? Regarde. C'est l'hôpital. On est enfin arrivé. Allez, on y va. Tu sens cette brise? Eh ben, tu vois, par un jour comme ça, je me serais assis sous mon porche et j'aurais joué de la guitare. Quand on aura fini avec tout ça, je t'apprendrai à jouer de la guitare. Ouais, je pense que ça te plairait beaucoup. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Ellie, je te parle? Non. Oh, ouais, carrément, ça a l'air cool. Très loquace, hein, elle est plus très loquace, elle est perturbée. En même temps... Avec ce qu'elle a vécu... Je sais pas pourquoi j'ai mis lire.
ciseaux, il n'y en a vraiment pas assez. Faut qu'ils en rajoutent. Qui rajoute des ciseaux. J'ai rêvé que je volais une fois. Ah ouais? Ouais. Vas-y, raconte-moi. Voilà, j'étais dans un avion rempli de gens. Et tout le monde criait et hurlait parce que l'avion allait s'écraser. Alors, je suis allée dans le cockpit, j'ai ouvert la porte, mais il n'y avait pas de pilote. J'ai essayé de prendre les commandes, mais évidemment, je ne sais pas piloter un avion. Et juste avant qu'on s'écrase, je me suis réveillée. Ce serait con de mourir dans un rêve. Dans un avion. C'est bizarre, non? Ah, tu sais, les rêves, c'est bizarre. Bah Jack, elle en a entendu parler, c'est bizarre. Je veux que c'était la conversation principale des gens. Surtout quand elle est née 6 ans après le début de la pandémie. Jusque là, il n'y a rien. Non. Et là, une BD. Oui. Un truc là? Non. C'est une lumière, je crois que c'était une flèche. Une autre ville, une autre zone de quarantaine abandonnée. Et d'autres infectés. Pas encore. C'est l'hôpital dont parlait le type des Lucioles. On y va, Ellie. St. Mary's Hospital. Salt Lake City. Is the whole new giraffe exhibit. April. Le 12 avril, le 12 avril 2013. Donc la pandémie a commencé en 2013 et la fille de Joël avait toujours une télé cathodique. On devrait couper par là. Oui. Yes, des pièces. On va toujours fouiller. La note d'une femme. Lucia. Nous sommes arrivés en zone de quarantaine. Je voulais t'appeler, mais ici toutes les lignes téléphoniques sont HS. Ils nous ont dit qu'ils pouvaient transmettre des lettres entre les différentes zones. Celle-ci mettra une semaine ou deux à te parvenir, mais bon. Nous allons bien. Anna parle beaucoup de toi. Tu lui manques énormément. Je suis surpris par le calme et la maturité dont elle a fait preuve dans toute cette folie. Je crois que c'est moi qui l'ai le moins bien avec. Elle me réconforte souvent. Nous l'avons bien élevée. J'espère que tout va bien de ton côté et j'espère entendre bientôt le son de ta voix. Je t'aime. Graham. Oui. À l'époque, on se doutait encore de rien. Ouais. Voilà ce que ça va donner le Covid. 2020, toujours des zones de quarantaine. Enfin, 20 ans plus tard plutôt. Tout va bien? Ouais, ça va. Dis-moi, je t'entends pas beaucoup aujourd'hui. Oh, désolé. Non, c'est pas... Ça va. Et... On pourrait utiliser cette échelle. Non, elle veut venir. On y va. Ellie. Ellie. Quoi? L'échelle, j'attends. Ouais. Faut le refaire. Ok. Ah.
Ellie! Ellie. Il faut que tu vois ça! C'est quoi? Le moment le plus mélancolique, poétique. Beau. Mais qu'est-ce que... Oh là, j'hallucine. Allez, grouille-toi. C'est pas vrai, je rêve. Des girafes. La bouffer là-dessus. Des girafes. C'est pour ça que le jeu a été élu Game of the Year, grâce aux girafes. Ce serait pareil. Dépêche-toi. Salut. À moi qu'ils aient plus peur de l'homme, ce qui m'étonnerait énormément. Oh, où est-ce qu'elle va? Allez, viens, on bouge. Hey, ralentis, Ellie. Oui, j'arrive. Je suis bientôt là. Let's go. J'ai pas remis la caméra. Oh. Alors, c'est à la hauteur de tes espérances. Bon, je suis un peu mitigée, mais faut bien reconnaître que c'est joli. Cassons-nous. Bien. C'était génial. On n'est pas obligé de faire ça. Tu le sais, pas vrai? C'est quoi l'autre option? Retourner chez Tommy et laisser tomber toutes ces conneries. Après tout ce qu'on a vécu. Après tout ce que j'ai fait. Je vais pas gâcher ça. Je remets ma cam 50 ans près. Je sais que tu veux bien faire. Mais je dois aller jusqu'au bout. Quand tout ça sera terminé, on ira où tu veux. Ok? Bon, je ne partirai pas sans toi. Alors finissons-en avec ça. Voilà. Il tient vraiment à elle maintenant. C'est beau. Mais vraiment. Les ciseaux là, donnez-moi des ciseaux. S'il vous plaît des ciseaux. Oula, calme-toi. Ellie, j'ai encore trouvé une de ces BD.
Précipitation. Très bien. C'est qu'on aurait été plus vite, on a pu être au pied des girafes. Putain, mais arrivé de là. Elles doivent pousser, elles doivent pouvoir passer par-dessus. Cet endroit me rappelle des choses. Pourquoi ? C'était juste après que tout parte en vrille. J'ai atterri dans un centre de triage comme celui-ci. Et bon sang, partout où je regardais, je voyais des familles déchirées. Comme si tout ce foutu monde avait sombré dans le chaos en l'espace de quelques secondes. C'était après avoir perdu Sarah ? Ouais, c'est ça. J'imagine pas ce que ça fait de perdre un être aussi cher. De perdre tout ce à quoi on tient. Je suis désolée, Joël. C'est pas grave, Ellie. Des ciseaux. Ouais, un quart de ciseaux. Je suis chiant que les surins, ça sert énormément. En fait, tout ce qu'on fait avec les ciseaux, c'est trop bien. Non. Et la dernière caisse à outils, yes. Il n'y a rien au milieu là. Là il y avait quoi? Bon, c'est, ça c'est de la merde. Je prends quand même, mais bon. Lire de la zone de quarantaine, oui, bon, d'accord. Et le trajet pour aller à l'hôpital. C'est parti. Ok. Ah, mais j'ai que 228. Faut que j'ai augmenté ça. Ah, je peux. Ah, mais ça, il aurait fallu que j'augmente puissance. Ouais, bah tant pis, les perforations sera un autre jour. Putain, mais il faut combien de new game pour avoir tout au max là? Ça fera très bien l'affaire. Joël, j'ai quelque chose pour toi. Tiens, Maria me l'a montré et je l'ai volé. Oh, encore un truc de volé. J'espère que tu m'en veux pas. On a beau essayer de toutes ses forces, on peut pas échapper à son passé. C'est pas sympa ici, lui. Merci. Savage Starlight. Yes. Direction l'hôpital.
Sainte-Maurice Hospital. Je le sens. Qu'est-ce que tu veux dire? Ils vont être là, les Lucioles. Quoi? Ouais, s'il faut tout oublier, ça va être chiant. Là, c'est quoi? Des ciseaux. Ciseaux, c'est toujours bien. Hein? J'ai oublié un truc. Mais on s'en fout. Donc, on fait deux fois, yes. Est-ce que ça va le tuer? Non. Merde, ils se cassent tous. Ah non, c'est bon, ils y vont. Ah si, si c'est bon. Oh yes. Bon, par contre, j'ai utilisé deux cocktails. Là-bas, il y a du papier, j'y retourne. Enfin, des chiffons. Non, lance pas là. Mais attends. Ok, il y a un truc à tuer là-bas. Oh merde. C'est bon, je peux récupérer la flèche. Oui. J'aurais peut-être dû augmenter un peu les pistolets. Tant pis. Je crois qu'il y avait un truc par là. Je crois qu'il y a un truc sur un camion. Après, il est possible que mes souvenirs soient altérés. Sur celui-là peut-être? Non. Ok. Mais what? Mais je les entends plus à travers. Là. Tout va bien. J'utilise 150 flèches, mais tout va bien. Non, si je me rappelle bien, c'est pas le bon plan de passer par là. Yes. J'ai pu la récupérer.
Bon, passons par là. Oh merde. Il y en a beaucoup trop. Je sais, mais on doit continuer. J'adore cette technique. Je peux pas passer, mais quand même. En plus, c'est directement mangeable. C'est pré-cuit. Après, est-ce que c'est comestible ? Rien n'est moins sûr. Yes. Par contre, ça. On peut pas aller là ? Merde. Non, je peux pas oublier que j'ai une lampe. Ok. C'est passé bien. C'est passé comme prévu. Je pense qu'on les a tous eus. Je crois que t'as raison. La survie à tout prix. Oh yes. Je sais pas si ça va me servir, mais. Je comprends pas, c'était pas les mêmes munitions pour le shorty. Ah bah tiens, c'était là. Les rayons d'explosion sont désormais deux fois plus grands pour la bombe améliorée. Aïe aïe aïe. Ça m'aurait bien servi. Là. Y a-t-il des trucs lâchés par. Si ça. Ok. Ok, tu crois que tu peux faire tomber la caisse ? Let's go. Ça va bientôt être la fin de la V2 aussi. Et du coup, c'est okay. L'avant-dernière VOD. Attention en dessous ! Quelle force ! Surtout qu'il y a un rebord. Yes. Je sais plus s'il y a des trucs à se fouiller là. T'as bien joué. Fais bien attention. Il est trop fort. Ça a l'air assez profond. T'as si seulement dans le 2 elle savait nager. Elle pouvait savoir nager. On espère. Je suis de l'autre côté. Je voulais fouiller, voilà. Et ouais, on peut pas fouiller. Y'a rien là. Bon. Apparemment.
Putain, il y a des trucs là. Mais vraiment? Oh, c'est quoi ça? Mais c'est un camion de pompiers! Mais oui! Normal qu'il y ait une échelle dessus. Ok, reste bien sur le côté. C'est moins profond par là. Et encore une porte bloquée. Ouais, tu croyais que t'allais aller me voir? Et bah non, je connais. Et comment on passe? Il y a un endroit là? Ah oui. Allez, donne ton pied. Ok. Vas-y. Va ouvrir la porte. Let's go! Non, c'est bon, il est mort. Je me rappelais de ce passage où il s'est attaqué normalement. Dingue, je suis. Allez. Yes. Ok, voyons ce qu'on a. Que je pouvais, voilà, juste en avoir deux, ça ira très bien. Bah, j'ai enlevé, bon, tant pis. Gaffe à ta tête. On saute. Et voilà. Pourquoi il dit ça? La drogue. La drogue. Oula, il y a plein de flèches là. Non, mais je crois que j'en ai plus beaucoup. Des explosions. Oh, des flèches. De l'eau de là-haut. Du coup, je peux augmenter ça. Moi aussi je l'augmente. Même si je sais qu'on est bientôt à la fin du jeu. J'aurais pu avoir vitesse de soin qui aurait été mieux. Hey, regarde. Le voilà. Et bon, on va s'arrêter sur cette magnifique vue. J'essaie de réfléchir. Bon, au pire, la prochaine vidéo ne sera plus longue. Finalement, elle sera. Ouais, enfin bref, on s'en fout. Bon, voilà YouTube, fin de cette vidéo sur la vue de l'hôpital, qui est très très proche du coup. Du coup, normalement, prochaine vidéo, ce sera la dernière. Allez, bonne nuit.